Bonjour à tous, ravie de vous retrouver à nouveau sur cette chaîne pour vous présenter donc l'année personnelle, la vidéo concernant l'année personnelle 2. Vous avez déjà eu l'occasion de vous rendre compte de ce qu'était une année personnelle 1. Voici donc l'année personnelle 2. L'année personnelle, elle se calcule, je le répète, avec donc le jour de naissance et le mois de naissance que vous posez verticalement et vous mettez donc l'année que vous recherchez. Donc en l'occurrence, nous allons prendre donc l'année 2020. Si nous recherchons par exemple une année 2020, une année 2, le problème c'est qu'on a du mal de trouver une année 2 en ce moment, c'est plutôt une année 11-2. Mais c'est pas grave, on va interpréter avec ça. Donc je prends comme date de naissance mais le 19 mars, le 19 mars donc en 2014. On va regarder cette personne née le 19 mars, en quelle année personnelle elle était en 2014. Et on pourra suivre en même temps son évolution en fonction des années. 19 mars plus 2014, on obtient donc 2036. On fait la réduction théosophique, c'est-à-dire donc le 6 plus le 3 plus le 2, on obtient 11. Ce 11, on le réduit également à 1 et 1 plus 2, donc année 11, 2. Je vais pour exceptionnellement pour cette fois-ci n'interpréter que le 2, parce que c'est un maître nombre en numérologie, donc on ne doit pas les dissocier le 11 du 2, mais là je vais le faire spécialement pour après permettre donc l'étude du 11. Donc voyons pour une année 2. Il faut savoir que quand on est dans une année 2, on est plutôt dans le monde relationnel, le monde associatif, tout ce qui est la réceptivité émotionnelle, tout ce qui est l'ouverture aux alliances, s'ouvrir aux autres, la coopération également. On est dans l'archétype de la mère, c'est-à-dire la mère que vous êtes, la mère que vous avez, donc il y a un fort rapport à la mère. C'est également, je dirais, une année où vous pouvez avoir envie de rechercher la connaissance, de vous mettre au monde dans votre connaissance, dans vos capacités. C'est une année donc forte d'introspection, on va dire. Une année où vraiment vous êtes beaucoup dans la réflexion intérieure. Voilà, on a vu une année 1, une année de nouveau départ, on va de l'avant, on devient égoïste, on pense à soi, on essaye de mettre plein de choses. Et là, l'année 2, on a mis plein de projets en place. Donc en année 2, qu'est-ce qu'on fait? On trouve le relationnel qui correspond au nouveau projet que l'on veut mettre en place. Donc voilà pour une année 2 qui va être une année d'écoute, une année de conseil, une année d'accueil. Il y aura beaucoup de réceptivité, vous aurez envie de créer des choses. Mais ça va être aussi, il faut le savoir, une année en rapport avec le couple. Donc si vous êtes seul, vous pouvez rencontrer quelqu'un et créer un couple. Mais ça peut être aussi tout et son contraire dans une année, c'est-à-dire ça peut être harmonie ou conflit. Ça peut être rencontre ou séparation, ça peut vraiment être les deux tendances parce qu'on est quand même dans une année d'hésitation, de dualité. Donc, réfléchissons bien à ce que nous mettons en place dans une année 2. Voilà ce qui concerne l'année 2. Je pense que j'ai fait le tour de l'année. N'oublions pas qu'une année ne se calcule jamais toute seule. Il est important de voir le domaine auquel il se rapporte, donc forcément c'est le domaine 2, voir si vous avez du 2 dans votre thème, voir si vous avez du 2 dans votre date de naissance. Enfin, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. On ne calcule pas qu'une année 2 de cette façon en ne tenant compte que de ce nombre-là, mais c'est quand même très important pour savoir de quoi vous allez être acteur dans cette année 2. Voilà, et bien écoutez, j'espère vous avoir apporté un petit peu d'éléments, surtout si vous êtes en année 2. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis au plaisir de vous retrouver dans la vidéo de l'année personnelle 3. Au revoir, merci beaucoup.